Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. Des images ont fait le tour du net où on voit Francis Ngannou au Cameroun en train de jouer avec des adultes, mais on les prend pour des enfants. On les prend même pour des personnes de petite taille. On croirait que Francis Ngannou est parti jouer au Cameroun face à des petits enfants, alors que c'est des pères de famille. Vous vous rendez compte de comment Francis Ngannou est gigantesque? Regarde-moi ces photos, regarde-moi ça. Hein? Est-ce que ça c'est normal? Hein? Et puis même, se retrouver sur un terrain avec Francis Ngannou, faut avoir du courage, hein? Non, mais les Camerounais, vous êtes courageux. Donc Francis Ngannou met les crampons, hein? Des chaussures avec des pointes au bout, plusieurs petits talons. Et tu rentres sur le terrain avec Francis Ngannou. Imagine, il a des flashbacks. Hein? Imagine, il pense à Anthony Joshua d'un coup. Au lieu de frapper dans le ballon, il frappe dans ta tête. Hein? C'est dangereux. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère qu'il n'y a eu aucun blessé. Et surtout, bah, j'espère que vous avez laissé Francis Ngannou marquer des buts comme il voulait. Hein, voilà. Parce que quand Francis Ngannou, il te fonce dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu t'écartes. Voilà. Tu t'écartes. Comme Moïse, il a fait devant la mer. Tu dis, ouais, voilà. Allez, passez. Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire? T'es malade ou quoi? Hein? Si, il est au goal. D'accord. Là, on peut se donner à cœur joie et mettre des frappes de malade. Et puis le regarder comme ça. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, les face-à-face, tout ça, arriver devant le gardien. Mais non, laisse tomber. Moi, je tire que de loin. Si Francis Ngannou, il est sur le terrain, moi, je me transforme en entraîneur. Si Francis Ngannou, il est sur le terrain, je me transforme en arbitre ou en supporter. Jamais de la vie, je joue contre Francis Ngannou. Avec lui, d'accord. On est dans la même équipe, on a le même maillot, il n'y a pas de problème. Je me mets juste derrière lui. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit, vas-y, toi tu te mets devant moi, et moi j'ai le ballon, et puis tu avances. Et puis lui, il avance comme ça. Celui qui s'approche de moi, il fait comme ça. Et puis voilà, et puis on va marquer au but. D'ailleurs, si tu veux qu'on crée un club, on devrait le faire. Hein? Toi et moi, on fait une équipe, juste nous deux sur le terrain. On joue contre toutes les équipes que tu veux. Et on va voir celui qui touche le ballon, tu t'en occupes. Voilà, donc c'est un sport que je viens de créer. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. En tout cas, mentionnez aussi Francis Ngannou pour qu'il voit cette vidéo. Et puis surtout, prenez vos places pour venir à mon spectacle. C'est quoi ça là? Hein? Tous les vendredis à 21h à la Divine Comédie à Paris, je suis en spectacle. Je compte sur vous pour venir, pour rigoler, pour qu'on passe un moment ensemble, qu'on fasse des vidéos ensemble. En tout cas, merci, je vous aime. Bisous.